Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à notre programme de méditation, le jour 3 de la méditation sur le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier et aujourd'hui est notre jour numéro 3. Notre verset d'ouverture parle de, est de Acte 4, verset 12 qui dit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Donc je relis encore. Acte 4, verset 12 dit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Alléluia. Ici, il parle du nom de Jésus. C'est Paul qui parle. Non, pardon, c'est Pierre qui parle. Et qui explique que le nom de Jésus, son premier boulot, son premier travail, c'est d'apporter le salut. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il y a des chrétiens qui sont étonnés de comprendre que, de savoir, quand on leur dit qu'il y a un seul chemin, ils te disent, non, c'est pas possible, Dieu a plusieurs chemins, Dieu est trop gentil pour avoir plusieurs chemins. Ici, il nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et encore, il a plusieurs fois dit lui-même Jésus. Il a eu l'audace de dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et cela, personne ne l'a dit. Aucun prophète, aucun homme de Dieu avant n'a osé ouvrir sa bouche pour dire ça. Et Jésus, lorsqu'il parlait, il ne mentait jamais. Il confirmait toujours ses paroles par sa puissance, par la puissance de Dieu, par les miracles qu'il faisait, par l'amour qu'il donnait, par son comportement. Donc, si il dit qu'il est le seul chemin, c'est qu'il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus. Le chemin que Jésus a, c'est vrai qu'il est le seul chemin, mais c'est un chemin qui est très large et qui peut accueillir le monde entier. Alléluia. Parce que dans le temps, on donnait du sang pour pouvoir refroidir la colère de Dieu par rapport à les seuls de sang des animaux, par rapport à tout ce que les gens faisaient comme péché. Mais Jésus est venu une fois pour tout donner son sang, à lui son sang, lui l'enfant de Dieu. Il est devenu le seul chemin. Il a le nom dont on parle aujourd'hui, il a mérité ce nom-là. Il n'est pas resté là comme ça, puis ce nom-là lui a été donné. Nous avons fait la première méditation qui dit qu'il s'est humilié lui-même. C'est pour ça que son nom lui a été donné. Il s'est humilié, il s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant lui-même. C'est pour ça que ce nom-là lui a été conféré. Et ici aujourd'hui, nous voyons que dans ce nom, il y a un salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel les gens peuvent être sauvés. N'importe qui peut être sauvé. On ne peut pas être sauvé au nom de Allah. On ne peut pas être sauvé au nom de Mahomet. On ne peut pas être sauvé au nom de Julien ou Jules ou Versace ou ceci. Non. Le seul nom qui peut sauver, qu'on peut appeler et le nom là va sauver, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Et le salut est simple. La Bible dit c'est en pensant du cœur. En confessant du cœur, pardon, en acceptant du cœur et en confessant de la bouche que Jésus est Seigneur, que nous devenons chrétiens, nous rentrons dans sa gloire. Donc c'est par ce nom-là que nous devenons chrétiens. C'est par le nom de Jésus que nous devenons chrétiens. Le nom de Jésus regroupe le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si vous vous rappelez, quand Jésus est revenu à la mort, de la mort à la vie, il a dit à ses disciples, allez-y prêcher par tout le monde, baptisez tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Mais lorsque nous regardons les actes des apôtres, nous voyons que les apôtres baptisaient au nom de Jésus. Rien qu'au nom de Jésus. Ça veut dire que le nom de Jésus, lui seul, regroupe les trois noms. Alléluia. Donc, finalement, le seul salut dont on parle, le seul nom dont on parle, il regroupe et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Donc, il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sous la terre à part le nom de Jésus. Frères et sœurs, le nom de Jésus est extrêmement puissant. Sans ce nom, personne ne part au paradis. Sans ce nom, personne ne part là-bas. Nous sommes tous passés par ce nom. Nous avons tous confessé ce nom. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui chrétiens. Donc, ce nom-là est la porte pour aller vers Dieu. Ce nom-là est le chemin pour aller vers Dieu. Est le seul chemin. Alléluia. Donc, ce nom-là ouvre la porte de la gloire, ouvre la porte du bonheur. Ouvre la porte de Dieu. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné à part ce nom. Beaucoup de prophètes sont morts avant, mais aucun de leurs noms n'a été symbolique, n'a été. Il n'y a eu aucun. Il n'y a pas de décret comme quoi leur nom aujourd'hui, par ce nom,
quelqu'un peut être sauvé. Non, Moïse est venu avec ses lois, il a fait tout ce qu'il a fait, il est parti. Mais son nom n'a pas sauvé les Israéliens. Oui. David non plus. Tous ceux qui sont venus après ou avant, aucun autre nom, même Abraham, le père de la foi, son nom n'a pas pu sauver les Israéliens. Parce que ce que Jésus a fait, et on lui a conféré ce nom, personne ne l'a fait avant. Alléluia. Personne ne l'a fait. La foi qu'il avait, c'est vrai qu'Abraham était le père de la foi, le monde entier lui a été donné à cause de sa foi. Mais la foi que Jésus avait ne pouvait se comparer à celle d'Adam, à celle d'Abraham, à celle de Moïse, à celle d'aucun d'autre avant lui. Et ce qu'il a fait, personne ne peut le faire et personne ne pourra le faire. C'est pour cela qu'il a mérité ce nom. C'est pour cela qu'il a eu ce nom aujourd'hui, ce nom qui est au-dessus de tout nom et par lequel le salut est possible. Ce nom victorieux, ce nom glorieux est le seul nom qui a été donné par Dieu parmi les hommes pour avoir le salut. Alléluia. Parmi les hommes pour le salut. Ce nom-là est possible. Je veux dire que le salut, pardon, est possible rien que pour les hommes. Le salut est possible rien que pour les hommes. Il a dit, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour être sauvé, par lequel nous devons être sauvés. Donc ce nom-là, c'est par ce nom que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc je veux dire que on a l'autre fois j'ai parlé de nom de Jésus qui fait beaucoup de choses à la fois, qui est comme un bouclier pour nous, qui est comme une arme qui a plusieurs effets, qui a plusieurs une arme à plus qui peut être dans plus de domaines, qui peut être une arme qui fait tout à la fois. Mais la première qualité, si on peut dire ça comme ça, le premier truc que ce nom a fait, c'est de nous donner le salut. Sans ce nom, il n'y a pas de salut. Tous ceux qui naissent de nouveau doivent confesser ce nom-là. C'est en le confessant que le salut se fait. En le confessant du cœur, en le confessant de la bouche que le salut se fait. Alléluia. Donc, si vous entendez quelqu'un qui dit non, c'est pas possible qu'il y ait un salut par rapport. Non, le salut, Dieu a fait ces choses selon lui, selon ses principes à lui. C'est ce qu'il a décidé. Il a décidé que parmi tous les prophètes qui sont venus, c'est Jésus qui était le meilleur. Pas qu'il a comparé comme ça, mais quand Jésus est venu, Jésus était venu pour but bien précis. Il a fait en 3 ans, il est parti. Alléluia. Donc, il a mérité ce nom. Ce nom-là qu'il a, ce n'est pas un nom qu'on lui a donné comme ça parce qu'il est le fils de Dieu, non. Malgré qu'il était le fils de Dieu, il a dû travailler pour pouvoir mériter ce nom. Et parce qu'il a travaillé, parce qu'il s'est dépouillé, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est rendu lui-même obéissant, avec beaucoup d'amour, il a compris que Dieu aime ce peuple. Donc, il aimait ce que son père aime. Alléluia. On ne peut pas aimer quelqu'un sans aimer ce que la personne aime. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. L'amour que Jésus a apporté au Père, c'est un amour inconditionnel. Donc, il a compris que Dieu aimait ce monde-là et que pour pouvoir faire plaisir à Dieu, pouvoir, parce qu'il aimait tellement Dieu, il aime tellement Dieu qu'il a donné sa vie pour ce monde-là. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie et il a partagé sa vie. À cause de lui, aujourd'hui, nous avons tous la vie éternelle, qui est la vie de Dieu et la nature de Dieu. Donc ce nom que nous avons, qui est un nom glorieux, qui est un nom merveilleux, nous devons savoir que ce nom-là, sa première, comment on dit, sa préoccupation, mais son premier volet, c'est le salut. Ce nom-là donne le salut. C'est pour ça qu'il n'y a aucun salut, il n'y a pas de salut en un autre nom. Il n'y a aucun nom qui n'a été donné sous le ciel. Aucun autre nom n'est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus seul qui nous donne le salut. Alléluia. Donc nous allons méditer sur ce nom qui donne le salut, ce nom merveilleux par lequel n'importe quel homme peut être sauvé. N'importe quel homme décide aujourd'hui de confesser Jésus comme son Seigneur, il est automatiquement sauvé. Et il n'a pas besoin de faire beaucoup, il n'a pas besoin comment on appelle ça même, confesser ses péchés d'avant et tout ça. Non, c'est n'importe quoi. Lorsque Paul et Pierre demandaient aux gens de confesser le péché, c'est parce que c'était des Israéliens. Ils ont entendu parler du péché, ils savent ce que c'est que le péché. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui est dehors, qui ne comprend pas ce que c'est que le péché, il n'a pas besoin de confesser ses péchés avant de devenir chrétien. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'accepter ce nom, de confesser ce nom. Et ce nom efface tous les péchés passés. Et ce nom fait le boulot, ce nom le transporte, ce nom fait qu'il meurt au péché et revient à la vie. Ce nom-là seulement. Comment ce nom est puissant? Rien qu'en confessant le nom de Jésus, vous quittez de la mort à la vie. Vous quittez des ténèbres à la lumière.
et vous devenez vous-même une lumière. Vous devenez vous-même la gloire de Dieu. Vous changez de nature. Vous êtes mort. Vous avez la victoire sur Satan par ce nom-là. Et en confessant ce nom-là, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce nom. Merci Seigneur pour ce nom merveilleux, pour ce nom puissant. Je te rends toute la gloire, je te bénis. Yaoka Tabarakonta. Parce que ce nom, Arakin Tababakonta, touche des âmes aujourd'hui. Ce nom est puissant pour envoyer des millions de personnes. Les enlever de l'emprise de Satan pour les envoyer à ta lumière. Ce nom si merveilleux, ce nom si glorieux. Et il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Et ce nom-là, tu l'as mérité. Oui, Père, tu l'as mérité, Seigneur. Jésus, tu l'as mérité. Oh, quand, et tu nous l'as donné en tant qu'héritage. Ce nom qui ouvre toutes les portes, ce nom qui ouvre les portes du paradis, ce nom qui brise les portes de l'enfer et qui fait sortir des âmes. Ce nom-là, tu nous l'as donné pour dire, mes enfants, mes frères et sœurs, pardon, mes frères et sœurs, vous avez ce nom-là. Le nom que vous avez est tellement puissant que vous pouvez aller chercher les âmes en enfer. Vous pouvez aller chercher les âmes dans les ténèbres pour les envoyer à la lumière avec mon nom. Parce que ce nom-là est tout. C'est toute l'âme dont vous avez besoin. C'est toute l'âme. Toutes les âmes que vous avez besoin est un seul nom. Le nom de Jésus. Et ce nom-là, nous l'utilisons aujourd'hui, nous chrétiens, pour pouvoir amener des milliards de personnes à la lumière. Et par le nom de Jésus, nous proclamons maintenant une moisson abondante dans le monde entier. Nous proclamons maintenant une moisson abondante en Europe, en Amérique, en Australie, en Afrique, en Asie, dans le nom de Jésus. Nous proclamons, nous arrachons les âmes à Satan par ce nom. Parce que ce nom-là donne le salut. Le nom est la porte du salut. Et ce nom-là, nous le portons. Nous le portons comme un habit. Nous le portons. Nous sommes ce nom. Haka Tabarakota. Nous sommes ce nom, nous avons l'odeur de ce nom, ce nom. Nous sommes ce nom, le nom de Jésus est en nous et nous sommes ce nom. Et nous faisons des choses extraordinaires par ce nom. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ce nom unique, ce nom qui fait des miracles, ce nom Katababa, que rien ne peut arrêter, ce nom puissant, ce nom extrêmement puissant nous a été donné. Et quand nous disons le nom de Jésus, nous parlons à la place de Jésus. Nous représentons Jésus. Et nous arrachons les âmes. Oui, nous avons un puissant pouvoir. Nous avons un pouvoir, mais pas possible, frères et sœurs en Christ. Soyez conscients du pouvoir que vous avez. Soyons conscients que nous avons un pouvoir. Nous avons les pleins pouvoirs sur cette terre à cause de ce nom. Quand nous parlons de ce nom, ce n'est pas nous qui parlons. C'est Christ qui parle en nous. C'est Christ qui travaille avec son propre nom. Pouvoir réconcilier les hommes avec Christ, avec Dieu. Oui, ce nom est puissant. Ce nom est puissant. Et il n'y a aucun autre nom qui apporte le salut. Il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui parle, qui apporte la guérison, qui apporte l'amour, qui apporte la compassion de Dieu, qui apporte la victoire. Le nom, seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant assez. Pouvoir débloquer les montagnes, pouvoir dépeupler l'enfer, pouvoir dépeupler les ténèbres. Kon tabarakin tabakia tokia babako sabarakinta. O rakia son kababakonta. Et nous avons été sauvés par ce nom. Et nous aussi, nous prenons ce même nom pour aller sauver des millions de personnes, pour aller sauver nos familles, pour aller sauver nos amis, pour aller sauver nos connaissances. Pour aller sauver notre peuple, notre pays, notre région, notre village. Oui, ce nom-là est puissant. Ce nom avec nous, on a besoin de plus de rien d'autre à part ce nom. Pas Sakata Barakota. Si on avait seulement eu rien que ce nom, on était déjà équipé. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a donné son nom, sa nature, sa parole et son esprit. Akata Barakota. Et nous a rendu citoyens de son royaume. Oh, Kata Barakota, Baraki, Shekepedi, Yakota. Le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus par lequel le salut est possible. Oui, le nom de un seul nom qui envoie des gens, des millions de gens à la lumière. Le nom puissant de Jésus. Et il n'y a aucun autre nom qui n'est. Il n'y a aucun autre nom qui peut se comparer à ce nom. Aucun autre nom. Dans n'importe quelle langue, le nom de Jésus est puissant. Dans n'importe quelle langue, le nom de Jésus est puissant. Que ce soit en anglais, en français, en arabe, en russe, en juif. Tout le nom de Jésus est puissant dans n'importe quelle langue. Alléluia. Frères et sœurs en Christ,
Continuez de méditer sur ce nom. Le verset d'aujourd'hui, continuez à méditer là-dessus. Demain, on fera un autre verset. Et soyez bénis. Le nom de Jésus est puissant et nous l'avons comme arme. Donc, nous sommes équipés pour tout palabre, pour tout combat. Nous avons la victoire avec le nom de Jésus. Alléluia. Passez une très bonne soirée.